Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Baptiste et de son chien. Salut à toi. Bonsoir. On l'entend aboyer derrière. Et de Mr. Alan, alias Crarambar, salut à toi. Bonsoir. Nous sommes actuellement en train de faire du Coliseum à l'ancienne, donc la Dream Team en partie réunie, contre un Ekaflip, un Eniripsa et un Feka. Je me place là, je suis bien, non? On va dire hello. Ouais. Je sais pas s'il fallait taper le Feka ou l'Eka, mais l'Eka il avait l'air de vouloir prendre des dégâts. Et après là, le Feka il avait pas d'ivoire donc. Heureusement que j'ai mis corollaire. Ouais, les deux. Ouais, t'as dû taper le Feka, peu importe. De toute façon, il va se faire heal directement après, c'est juste pour les ronettes quoi. C'est pour charger surtout. Ouais. Du coup, on est Eka Kra Sacrieur, donc compo plutôt basé sur les dégâts, on va pas se mentir. Hein. On va taper, on est là pour taper. Donc le Kra mode multi-élément. D'accord, j'utilise la téléglyphe C1, alors je vais mettre le canal combat, le Kra multi, l'Eka multi et le Sacrieur qui est full air, hein, avec de grosses résistances. Je mets la caresse. Ça sera 4000 boucliers là. Ataraxie. Ah mais ça met pesanteur maintenant. Oui, ça met pesanteur, ouais. Et le chien. Ça... Et le chien, ça va. Mais il peut le lancer tous les combien de temps? Est-ce que je mets Odora sur nos droits? Pas spécialement, non? Moi, tu peux en soi parce que ça me fera des bubas avec le malus, mais. Non. Je pense pas, après, genre, j'ai rien à faire pour l'instant. Je sers même à rien de trèfle pour l'instant. On peut faire des sorts juste pour booster. Gagner un PA, quoi. Non, c'est juste. Comme ça, t'as le moins à le faire au prochain tour. Mais là, j'augmente juste mes. Mon tutu, quoi. Ouais, enfin, tu t'en fiches, tu relances tous les deux tours sans problème, c'est pas. Bah ouais, ça te coûte un PA, effectivement. Si on tape prochain tour. Sacrieur, ouais, gros mode tank. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué tous les trois. Et on s'est. Enfin, moi j'aurais proposé d'aller faire des petits colis. Et du coup, let's go. Eni, c'est tellement fort, moi je trouve. Mais comment on enlève un bouclier pareil, du coup, en fait enfin... Juste, tu fais un seul. En gros, c'est comme l'ivoire. C'est juste la prochaine attaque subie. Ah. Ça met un bouclier seulement sur la prochaine attaque subie. Ah oui, tu te mets vraiment en tank. Reste dans le coin si jamais tu veux la PO. Moi je la veux bien, Alan. De toute façon, on va attendre là, on n'a pas d'intérêt. Oui, voilà, c'est eux qui doivent rusher, mais en même temps, c'est le Feka qui a téléglyphe, donc. Je sais même pas, en fait, nous on doit juste coop en fait au T2, hein, quelqu'un. Ouais. Bah, coop avec les cas qui jouent. L'enculé, ce chien. Mais non, tu l'aimes de tout ton cœur. Après, en coop, on est obligé de coop les nids en fait. Non. Oui, bah oui, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'avec la PO, ça peut aller très loin. Il est un peu pété. Ah, salut toi. Moi, y'a mon chat qui est là. Il est venu. Ah, il est haut du coup, full haut. Bah, en vrai, on va sur lui, hein, tranquille. Bon, il va reculer, mais on pourra. Ouais, quand même ouais, taper on peut quand même peu, le taper un peu, ouais. T'as la flèche qui fait de l'érosion? Non. Ok. Enfin, je sais pas ce que c'est. Si, j'ai des trucs qui poussent et qui fait de l'éro, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être pas mal de les placer dès le début. Après, il va se faire ouais, des. Enfin, c'est en ligne, mec. Ah, oui, non, d'accord. Pour okay, le faire, je pensais la. Complexe. Non, flèche érosive. Faut que tu leur vires la PO aussi. Ouais, l'œil de truc, ouais, c'est pas mal. Bah au pire t'enlèves des dos, j'en sais rien. On tape un petit peu. Il a pas beaucoup de vie les cas flippants en vrai. Hein. Ouais c'est pas mal hein, sur les raids et tout, c'est pas mal. Bah reste puis réduction à 110 ouais. Ouais c'est Nébu bas en plus hein donc. Ah t'as le Nébu sur ce mode? Bah bien sûr mec. Ok ok. Bah, oui oui avec le mode multi-élément. C'est vrai. Pas forcément multi-élément, juste si t'as terre dans tes éléments c'est indispensable. Le gravito. Bon bah salut la coop, hein, se plaise. Après on n'a pas besoin d'avancer, on s'en fiche, hein. Toi tu vas taper ouais, à distance. Ouais, sans problème, bien sûr. Les cas, mon Ekaflip IRL est en train d'attaquer ma souris et de se dormir sur le clavier, donc c'est absolument parfait. Excellent. Oui, c'est excellent. Vous appuyez sur le raccourci passe-tour avec les cas, on va pas comprendre. Moi? Non. Bah ton je choix. Tape du coup. Ah oui. J'ai pas de raccourci, je les ai retirés exprès. Je roue de la fortune, du coup? Bah ouais. Ouais, c'est des tromperies ou cheveux. Ouais, carrément, bah go. Bah, on l'a vu d'abord son boubou et puis. Ah, oui. Ouais, sans ça. J'ai le lapement qui peut être pas mal. Vas-y. Voilà. Et je recule tranquillement. Hein. Ici, encore, je suis bien. Encore, ouais. Encore un. Ouais, c'est vrai que ça me permet de rester éloigné. Il a pris un vachement cher, les gars. Ouais, c'est ça. Ah, c'est on érode pas, ça sert à rien. La flèche érosive, elle peut éroder pas mal.
Je sais pas, vous m'avez pas. Vous m'avez pas oui, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, comme on avait les cas en termes d'héros. Flèche d'Orcule. Ah, mais c'est qu'en ligne aussi la flèche érosive en fait. C'est, elle est terre, c'est ça? Ouais, elle est terre, mais elle tape qu'en ligne. Elle tape qu'en ligne, ok, je savais pas si elle tapait qu'en ligne. Je n'étais point sûr de moi. Bon, elle a quand même mis pas mal de points de vie d'érosion. 300 pour l'instant en aéronate. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Surtout que là, ils utilisent plein de trucs sur. Après, notre compo, enfin, genre... il a pas trop de sens, du coup, il faudrait. Enfin, le sacré, il a pas trop de sens dans cette compo. Il faudrait un truc qui tape bien de loin. Bah, ça dépend de leur d'initiative, je pense, non? Ouais, je sais pas. Bah, parce que si, là, Baptiste, si joue juste après. Ouais, mais si je joue juste après lui. Tiens, regarde. 1, 2, 3, crit. Pas du tout. Vas-y, fonce, chauffeur. Oupsi. Ouais, libé-le, parce que sinon il va faire chier. Ah non, je crois que t'as libé. Libé le chauffeur fut quand même. Cramer la libé pour ça. Je peux le pousser dessus. Oui, Baptiste. Lourd. Gros bah, juste comme ça, il nous fait pas chier. Fin. Bon, de toute façon, là, ils utilisent. Enfin, l'écart ou de la fortune, ça lui sert à rien. Plus le temps passe, plus moi j'ai des flèches. Donc, bah voilà, c'est ça. Le rempart, ils l'ont mis. Et genre là, ils vont le perdre à ce tour-là. Enfin, moi je trouve que ça va, hein. Non, on va voir. Ouais. Il va quand même venir, apparemment, vu qu'il fait des bons. Mais il faudrait qu'il au dos là. Et qu'il rush. Parce que là, il peut venir sur Pierre Instant là. Est-ce qu'il va le faire? Non, il a la flemme, ça se voit. Si, si, il va venir quand même. Il est juste infortuné, il repart. Il commence par un Craps, du coup. Ok. Mmh. Ok, bah voilà. Et c'est pas un bouclier qu'il a, ouais. Enfin, il y a juste l'ivoire, ouais, quoi. Il faut que j'enlève le nébu dans tous les cas. L'ivoire. Mais ouais, Enlève le nébu, hein, vas-y. Enlève-lui. En vrai, c'est bien parce qu'il nous touche pas et nous, ça nous augmente nos dégâts. Enfin, moi, je suis touché, mais pour le coup, là, vu le bis et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouf, nice, putain. Excellent. Bah, c'est un mode qui fait pour taper, hein. Oui, c'est ce qu'on veut, hein. C'est le but, c'est. Bah, là, pareil, hein, ça lui fait encore plus de 200 de points de vidéo. Ouais, puis Baptiste, il veut. Pourquoi non, Baptiste, c'est qui les cas? Ah non, c'est toi les cas. C'est pour aroder, peut-être, non? De me respecter. Oui, je vais y aller. Est-ce que je lui mets la corollaire du coup? Ouais, on y va. Ouais, corollaire, il faut. Je laisse tomber le chaton. Oh, il t'a enlevé les crits. Ah ouais. C'est dommage, je suis un éca flip qui me donne 200 crits. Non, mais en vrai, c'est un bon truc. Et peut-être un sacrifice qui va tomber, non? À ton tour, Baptiste. Je vais corollaire et je vais aller. Il a bastion, hein, il a bastion. Ouais, mais je vais au corps à corps. Ouais, tu vas au cac. Ouais, bah, je lance la corollaire. T'as quoi comme boubou d'ailleurs sur les cas? Est-ce que je fais esprit et boubou distance? Stalak. C'est pas grave, je suis obligé de taver. Est-ce que je vais le destin? Genre je fais un esprit destin? Est-ce que c'est pas mal? Ouais, vas-y. Ça vous semble correct? Ouais. Enfin, bah, ouais. Non? Je sais pas, j'étais pas fan de foncer sur Lenny en fait, alors que Lenny était isolé. Bah, c'est justement pour pouvoir l'écarter quoi. J'aurais pu rugissement, je suis un peu con. Enfin, ouais, t'aurais pu esprit d'ici. Enfin, esprit. Ah, de... tu veux dire le mettre dans l'autre sens? Ici. Non, je voulais le faire des deux coups. Enfin, du coup, tu le mettais là. Ouais, je voulais faire un petit peu de coups, mais... Tant mieux qu'il reste un peu loin de toi, comme ça, toi tu restes isolé, c'est ce qu'il faut au final. Bah, de toute façon, il va falloir que je tape quelqu'un d'autre à ce toi. Ouais. Ouais, surtout que ça risque de passer sur moi au niveau du focus, parce que toi tu vas sacrifier Pierre. Ouais, là il faut que tu me sacrifies ce tour-là. Donc il est full soin du coup. Okay. Oh, on dirait bien. Ouais. Bon, avec la corollaire en vrai, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Du moment qu'il peut pas le debuff, de toute façon, c'est nickel. Ça se débuffe pas le corollaire? Si, mais là il peut pas. Ah oui, c'est qu'en ligne, je vois. Eh oui. Du coup, oublie pas le sacrifice. Et puis, sacrifice et tue-le, hein, Baptiste. Tue-le. C'est un mode tank, hein, c'est pas un mode full dégâts comme le reste de ce côté-là pour taper, comme ça, si jamais il décide de passer sur moi, il est plus embêté que. Oh nice, putain, ça fait mal quand même. Mine de rien, c'est pas mal. Flamiche, mec. Il y a juste le chaton guérisseur qui est resté sur le terrain, mais bon, comme là on met l'héros, on s'en fout un petit peu, je pense. Il fait quoi? Il soigne lui? Parce que ouais, je fais dope. Il soigne. Dope pour l'instant. C'est bien, non? Oui, c'est bien, mais on a laissé le leur en fait. C'est 600 points de vie. Ils avaient déjà le moins 2, je crois. Et ça soigne beaucoup ce truc là? Pas mal, oui. Surtout que ça peut soigner plusieurs cibles, c'est vraiment pas mal. Je peux le tuer moi avec mon crin. C'est ça où je tape un perso qu'on focus pas, donc. Ouais, vas-y. Le chaton, il est sur 300-400 quoi. Ouais, 300-400 x 2 du coup, enfin. Ouais, il va aller sur toi. De toute façon, t'es la cible facile, hein. C'est moi qui suis sacrifié, Baptiste c'est un tank. Il va te faire un gros crap. Ouh. Ah, il reste haut. Et tu peux y aller au corps à corps, en vrai. Ouais, enfin, avec mon bouclier, avec le nébuba, je vais lui mettre un coup d'épée Gourson à 400, hein. Ouais,
ça fera toujours des dégâts sur l'héros, non? Je sais pas. Tu tues le chaton guérisseur au passage, non? Genre tu peux tuer le chaton, c'est chiant parce que je dois charger l'XP. D'accord. Bah vas-y. Bah, tape Lenny ou n'importe qui. Ouais, n'importe qui, y a pas de souci. Y a juste l'EK qui a pas le FK qui a pas Par contre, on est d'accord, l'ivoire, s'il va proc sur le premier jet de l'épée. Du truc. Ouais. C'est bon, je peux maîtriser l'épée. Ouais, absolument. Ah, ouais, ok, c'est ridicule si ça crit pas. Ouais, ça va, c'est bien. Ah, par contre, la puissance là. Nebuba plus. Après, on le tue là, il rejoue pas dans la théorie. Tu penses? Je suis pas sûr. Il y a moyen que le FK te fasse chier, toi. En plus, j'ai pas. J'aurais dû entre chat plutôt que bon du félin. J'ai bon du félin. Là ouais. c'est vraiment ma faute. De toute façon, il te râle PM. Ouais, au maximum il va me libérer. Alors je peux faire. Bah, moi par contre, je rejoue pas pour le coup là. À 2600. Si, avec le sacrier, s'il y a moyen, non? Attends, du coup, je fais quoi? C'est quoi ce glyph? J'esprit. Ah non, je serais taclé forcément. Bah, tu peux libérer. Ouais, est-ce qu'il y a un intérêt? Bah, oui, dans tous les cas, tu l'éloignes donc c'est value. Ah, mais oui, je suis pesanteur. Je suis pesanteur. Forcément. Je sais pas trop quoi faire là. Je vous le tape, je replace une corollaire sur les nids. Ouais, après, ouais, l'esprit, ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu con, ouais, mais bon, c'est pas grave, ouais. Et tu tapes. Ça fait toujours des dégâts. Ouais, t'as tort quand même. Bah, je suis sacrifié, donc à la limite, ça, je m'en fous un petit peu. Mais moi, en fait, l'équipe va me tuer, non? Je sais pas. Ça dépend. Peut-être avec le sacré, tu peux juste le dégager, non? Qu'est-ce que t'en penses? Genre le transpo à l'autre bout du monde? Genre tu recules. Bah non, en fait, c'est pas les cas qu'il faut transpo. C'est genre c'est moi que tu dois transpo. Ah oui, c'est encore mieux. Tu transpo Alan et tu le tabasses. Et en plus, tu seras collé contre le mur donc genre, tu viens me mettre ici, ah c'est pas mal. Bah au max même. T'as la PO normalement avec le don de PO. Mais c'est le max ici ou alors c'est non, il peut aller plus loin. Il peut aller là. Pour moi, il peut aller là. Mais non, l'abyssal c'est un PA, il a du chaton. Ouais. J'avais un bug d'affi. Enfin bref, mais moi genre dans ce coin là et puis... Ouais c'est pas mal. En plus il est taclé. Ouais voilà c'est pour ça, comme il est contre et le mur... Et moi je vais pouvoir lui revenir, là je fais avec punitive normalement. Putain le régène est excellent quand même. Hostilité c'est fort aussi. Attends il peut pas survivre à... Il peut chance EK. Il peut crabe soit qu'il va se soigner du coup. Non je pense pas qu'il revient tue, sur hein. Non mais je pense pas qu'il te tue quand même hein. Non mais je m'en fiche, moi je meurs pas dans tous les cas, c'est bon. Ouais. Mais il a chance. Lui il va survivre à moi. Un contre-coup juste. Bah de toute façon peu importe où il se place là tu l'auras hein. T'es ouais. Nebuo, tu le tues je pense hein. Pas sûr. J'sais pas. Ouais pas sûr. Bah il a pas de reste. Peut-être un peu optimiste. Ouais, pas dépendre qu'il baisse ma ligne de vue ou... Il a soigné. Ah oui d'accord, ok. Déloc l'ivoire. Ouais. Oh, oh nice. Fuck. Ah merde. Bon c'est pas grave, tu le tues quand même. Fuis. C'est pas fini, ouais. Ouais du coup j'ai ouais, si, c'est complètement... Fini, il a le retour TP lui par contre. Ouais. Il peut venir s'approcher de toi. Après il est haut. Ouais il tape fort quand même. Ouais, c'est fini là, non? Normalement, oui. Surtout que j'ai. Bah, c'est leur plus gros damage dealer et leur érodeur. Et nous, on a toujours le nôtre, du coup. Je suis saoul. Nous jouons contre un mec bourré! Titre de vidéo. Un homme bourré sur Dofus. En vrai, il y a tellement d'histoires comme ça. Tu vois, je t'avais dit, j'ai retour de Thor, c'est toi qui le prends, Baptiste. Du coup, faut que je remette trèfle. Du coup, est-ce qu'on s'arrêterait pas sur le pseudo de notre sacrilleur? Quelques secondes. Quelques secondes pour penser à tout ça. Que fait-il de beau, notre. Bon, Sandre, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça m'arrangerait. Merci. 254 et le bluff et quoi? Je sais même pas où sont les bluffs. Mais faut que tu joues maintenant. Hein. Il y a des grosses raises ou? Ah oui, 47%, d'accord. Attends, mais pourquoi il t'a. Ah oui, d'accord, il y a bouclier FK plus rempart, je me disais. Il a quand même beaucoup de raises, notre ami. Mais bon, il est érodé, il va se debuff quand même. Il va pas se debuff là? Ouais, non, il se debuff le bouclier aussi. Mode ralliement, ok, très bien. Il est pas en état machin là. Bah, du coup, ça a pas marché. Après, s'il est pas chiant, il se suicide parce que bon. Bah alors, Alan, voyons! Apparemment, il a l'air un peu chiant. Hein. Apparemment, il a l'air chiant. Ouais.
Ah, c'est Fekka et Ni, en vrai, c'est fort. Hein. C'est une super. Enfin, c'est double pilier, quoi. Ah, sauf si on considère pas le Fekka comme un pilier, mais. Du coup. Mais c'est une compo chante. S'ils avaient, enfin, s'ils avaient du retrait PA, on perdait assurément. Heureusement qu'ils en ont pas. Hein. Après, je sais pas, est-ce que c'est à eux de rocher? Je sais pas. Hein. Bah, si. Un peu quand même. Ouais, et Fekka, c'est un petit peu eux, quoi. Mais nous, ouais, surtout contre Kra. Non, mais c'est chiant là. Pas de... Y'a Clénie qui est rodé là. Oui, ouais. Et il s'est pas débuff, du coup, il a toujours la corollaire. Absolument. Je vais taper 0 approximativement. Bon, on s'en fout, c'est de la vie érodée. Ouais. Il a 2006. Le pauvre. Allez, tape! D'accord. Donc toi, tu poses des poisons. Bah, quand t'es en ébuba, je préfère utiliser mes PA pour mettre des poisons. Ouais, c'est pas faux. Ça tape bien en plus. Taper Nébubo et poison Nébuba en général. Eh ben, à plus. Je vais aller sur toi, lui. Encore la barrière, putain, c'est hyper chiant. C'est quoi sa barrière? En gros, c'est. Ça te demande des apesanteurs. J'ai complètement oublié tout à l'heure, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Et tu peux pas sortir de la glyph? En fait, si tu vas dans le glyph, tu prends masse dégâts, quoi. C'est hyper chiant. Mais ah ouais. Je pense que je vais le faire quand même, non? Enfin, je sais même pas. Je suis pas obligé. C'est Baptiste qui prend, non? On s'en branle. Non. Non, là, je suis plus. Bon, j'ai toujours le trèfle. Bah, au pire, je peux remettre l'héros sur les nids. Bah, ça veut dire que je passe dedans et que je prends des dégâts, bah, c'est pas grave. Non, je le fais pas, de toute façon, je peux pas taper sur les nids. Mais ça tape tant que ça le glyph si tu sors? Oui, c'est fort. C'est quoi que t'appelles fort? Tu as tapé 300 ou 1000? Non, c'est fort. Ok, merci. Merci pour cette précision. Je sais pas combien ça tape, mais c'est comme le glyph. Tiens, regarde l'emploi, comment elle l'encule. Oui, c'est vrai, tu tapes très fort dessus. Le chaton qui le fait chier aussi. Bon, il reste en tout cas. Hein. Oui. En vrai, il a de grosses résistances sauf en neutre. Du coup, la flèche est particulièrement intéressante. Il a 0% ouais. Quoi pour le coup. Ouais, de toute façon, je vais le tuer avec double flèche. C'est ce tour-là? Ouais. Le Fekka n'a rien, si tu veux te faire plaisir. Me baisse pas ma ligne de vue sur Lenny par contre, Baptiste. Là, c'est bon, hein, tu peux rester là. Mais genre, te recolle pas à lui quoi. Ok. Vous voulez que je tue le Fekka ou je tue Lenny? Bah le Fekka, comme ça il joue okay. Pas. Et il joue... Bah tu le Fekka. En plus il a une empoie sur la gueule. Ouais, absolument. Il avait pas d'ivoire en plus le Fekka. Aïe. Comme nous hein sur le Kra. Hein. Oh 1580. Le et fameux tapé à 1800. Nice. 1800. Ah 1800. Ah. Ah mais par contre pourquoi il a quitté? Genre ça veut dire que il gagnera pas d'XP et Ouais. Eh ben, c'est pas bien ça, monsieur. Eh ben voilà, le premier combat qu'on fait se passe plutôt bien, honnêtement. Ça fait grand plaisir. Aise. RDV, légende. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va monter légende et on se dit à dans 3 mois. 8 ans. Voilà. 8 ans. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo chill, tranquille, colis. Je souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de liker, ça vous a plu. Ciao tout le monde.